La nouvelle loi du fiscal de pays. Pourquoi il y a que ça? Regarde-le. Mais on peut voir ça. Moi, je... Oui, en arrière, j'étais assez en arrière. Oui, quand tu... Ok. Ça, c'est Hugo Benoît. Oui. Oui, les fêtes foule. Ah oui, foule. Ça, c'est celui-là que tu as. Je comprends pas, alors on dit c'est les fêtes foule. Ok. D'accord. Ok. Bestiaire. Là, on peut continuer. Ça, on peut y aller. Non, mais si on recule ça. Dis-moi. Si on recule. Ah oui, de toute façon, il faudrait retourner parce qu'il y a des gens là qui nous verraient. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Karine Touga, je travaille aux communications pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je vous souhaite la bienvenue au café Internet, le café de Da. Donc, avant de vous présenter notre invité spécial d'aujourd'hui, j'aimerais simplement souligner la présence de M. Pierre Gagné, qui est le maire de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Et je l'inviterai à me rejoindre pour vous adresser quelques mots. Merci, Karine. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content qu'on ait une salle pleine d'un samedi après-midi. C'est tout un honneur de vous recevoir. On a fait l'inauguration ici, quoi, il y a un an. Et puis, M. Laferrière est venu signer le livre d'or à l'arrondissement. Fait que vous êtes chez vous ici. Alors, écoutez, je me tape parce qu'il y en a qui vont parler mieux que moi. Et puis, on a hâte de l'entendre. Merci. Merci beaucoup, M. Gagné. Donc, je vous présente maintenant notre invité spécial. Aujourd'hui, je ne me lancerai pas dans des éloges sur les nombreux succès, les nombreux livres et les nombreux prix qui ont été remportés, mais simplement vous dire que notre invité d'aujourd'hui, M. Dany Laferrière, est écrivain, journaliste, chroniqueur, scénariste, et également qu'il a un lien particulier avec l'arrondissement ici d'Annecy-Cartierville et particulièrement avec les citoyens. Monsieur Laferrière participe déjà depuis plusieurs années à différentes activités et différents événements de l'arrondissement qui se déroulent surtout dans nos trois bibliothèques à l'arrondissement. Donc, par exemple, en tête comme ça, il me vient le concours qui a eu lieu avec Montréal, capitale mondiale du livre en 2006. C'était un concours de dessin pour les enfants. Et Monsieur Laferrière avait accepté d'être sur le comité du jury pour sélectionner les dessins gagnants. De plus, je crois, il y a 3 ans, en 2008, M. Laferrière a inauguré avec nous les travaux qui ont été effectués à la bibliothèque de Cartierville. Donc, un autre moment où on a été très choyés. Également, comme M. le maire le mentionnait juste précédemment, on a inauguré ici le café Internet il y a un an et M. Laferrière nous a fait l'honneur d'offrir le nom de sa grand-mère au café Internet, donc le café de Da. Alors, c'est tout un honneur pour nous et c'est un homme très généreux et qui s'implique énormément dans la communauté. Il est accompagné aujourd'hui de M. René Saint-Éloi, un éditeur et artiste. Donc, je vous demanderai d'applaudir avec grand plaisir M. Dany Laferrière et M. Saint-Éloi. Bonsoir. Bon, ça va être très, très simple, c'est ça. C'est l'idée d'un après-midi, converser avec des gens qu'on aime, est une idée toute naturelle qui remonte à l'enfance, à mon enfance, où j'ai toujours vu ma grand-mère faire cela, assise sur la galerie, et qui, voyant passer les gens, leur offrait du café. Et le café délie les langues et les esprits. Et après avoir bu son café, généralement, l'homme qui a reçu la tasse soulève son chapeau pour saluer la qualité du café, d'abord. Et ainsi, on prend de ses nouvelles. Comment va l'épouse, comment vont les enfants. Et puis, on donne de ses nouvelles aussi. Et c'est une des choses les plus... Enfin, un des derniers luxes qui nous reste, la conversation gratuite.
Voilà, merci. Il y a des gens qui veulent faire signer. Je veux simplement vous dire un grand merci à vous, à tous les deux. C'était très, très intéressant. Je pense que tout le monde est d'accord. Également, pour tout le monde, on vous remercie de vous être déplacés. Et à l'arrière, on va vous servir du café. Également, M. Laferrière et sa femme nous ont apporté des pâtés haïtiens au saumon et à la morue. Donc, si vous voulez déguster, ça va être servi à l'arrière. Donc, voilà. Alors, un grand merci à M. Laferrière, M. Saint-Éloi. Et bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Voilà. Merci. À la semaine prochaine, pour ceux qui peuvent revenir. Merci. Ça m'a fait plaisir, je suis enchanté. Ah, c'est autre cadeau. Oui, et si je vous ai dit ça, c'est parce que je me reconnais dans cette interview. C'est un vrai cadeau pour la collectivité, je pense. D'avoir su créer cette occasion-là. T'sais, je pourrais vous parler des trottoirs à déglacer et des rues à repaver, mais ça, les gens vous en parlent tout le temps. Mais la culture de ce niveau-là, à la portée de tout le monde, une conférence gratuite. On en a un autre la semaine prochaine. Ouais. Hein? J'espère que vous serez là. Ça va être comment ça va? C'est du café équitable. Bon, on va prendre un. Voilà, madame. Il est délicieux. Délicieux. J'ai créé tout ce qu'il y avait plus d'orgueil et même les plantes les plus légères, les fleurs les plus légères sont restées. Sont restées vivantes. Oui. Ouais.